Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur une vidéo très spéciale aujourd'hui avec Vincent. On espère que tu te portes pour le mieux et on se retrouve pour un beau petit match FIFA 23 avec l'équipe Full Tots Ligue 1 sur la chaîne d'EA FIFA France. Un grand big up, merci à EA pour cette belle petite opportunité. On te montre l'équipe tout de suite. On a décidé avec Liam de jouer avec cette formation 4-4-2. N'hésite pas à nous dire là maintenant dans les commentaires justement ta formation préférée sur ce FIFA 23. Moi c'est le 4-4-2. On va commencer à te présenter l'équipe en commençant bien évidemment par les défenseurs. Le goal ça sera du coup Brice Samba, les défenseurs Jonathan Klaus, Marquinhos, Medina, accompagné du coup de Nuno Mendes. On aurait pu potentiellement changer Marquinhos avec Todibo, mais on a décidé de garder Marquinhos au milieu de terrain. On a donc décidé de mettre Renato Sanchez, Tots Moments. Il sera accompagné de Marco Verratti, Team of the Season. On aurait pu tester Seko Frana qui est aussi très très fort. On va sûrement faire des changements en cours de match. À droite, Léo Messi, à gauche, Neymar et les deux devant, Alexandre Lacazette, auteur d'une magnifique saison, et aussi Kylian Mbappé. Sur ce, let's go s'affronter avec Vincent pour savoir c'est qui le meilleur. La bagarre. Au final, j'ai un peu changé d'équipe. À droite de l'écran, ça va être mon équipe avec Messi, Ben Yedder, Mbappé, Lacazette. Au milieu de terrain, j'aurai Fofana, Verratti et derrière la défense et le gardien. C'est exactement la même chose. Et l'équipe de Vincent, elle a pas bougé. Je serai la flèche bleue tandis que Vincent sera la flèche rouge. C'est parti les frérots, j'espère avoir une victoire contre toi Liam. De toute façon, Les gars, on est là pour essayer justement les nouvelles cartes de la Tots Ligue 1. Donc on verra ce que ça va donner. Ça du coup c'est l'équipe de Liam qu'on a vu sur l'écran. C'est parti les frérots. Ça va être un match full détente hein. Je te mens pas. Alors moi je suis bien la flèche bleue et Vince la flèche rouge. Bon match Vince. Bon match Liam. Ah, Mbappé les gars il est trop rapide. C'est une folie Mbappé. Oh dommage, bien joué. Oh oui. Allez Medina. Oh oui. Dommage, bien joué la défense. T'as vu le jeu en triangle là, c'était magnifique. Medina il est rapide aussi hein. Il a une bonne agilité le défenseur Lensois Facundo Medina. Allez allez Mbappé allez. Oh dommage, oulala. Je sais pas si tu l'as testé trop Vince, toi close de ton côté. Moi je trouve vraiment pas mauvais. Il est rapide, après je le trouve un peu frêle moi. Ouais physiquement il est peut-être pas forcément ultra fort. Mais moi je le trouve bon, quand je l'avais testé je l'avais trouvé très très fort. Oh oui. Tire. Oh, t'avais bougé le goal un peu, non? Ouais, ouais. Tu l'avais décalé. J'ai vu que tu l'as décalé. Ça sent un full player lock. Oh, ça pue là dans la piole. J'essaie de jouer un peu au foot, les frères. Un petit jeu en triangle. Magnifique. Oh là, le penalty! Les gars, je sens que l'arbitre, il a choisi son camp. Oh, ben l'arrêt, ça te plaît. Tu sais que j'ai bougé le goal, hein? Ouais, ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, quel arrêt, eh. Eh, il est en forme, Brice Samba, là. Et des deux côtés, hein. Ouais. Allez, joli player lock. Allez, Messi. Face à son compère argentin, Medina. Ah, bien joué. Et c'est parti, les gars, ça part d'un player lock. Merci Manika les gars, d'ailleurs n'hésitez pas à checker la vidéo du frérot Manika sur la même chaîne d'EA Sports sur la France par rapport justement au player lock. Et ça justement ça m'a bien aidé à faire le player lock et qui ensuite après a débouché sur une situation de but et après la casette face au cage. Je savais que Clem allait bouger le goal donc j'ai anticipé le tir au premier poteau. Bien joué. Allez allez vas-y vas-y. Oh non pourquoi il sort? Oh là là j'ai eu chaud. 2-0 à la mi-temps, c'est pas la même chose qu'un 1-0. Hein. Ouais. C'est très serré. Après, quand on s'affronte, c'est généralement aussi des matchs très serrés. Ouais. Ouais, c'est équilibré. Cette vie, j'ai l'impression que c'est mérité. Par contre, il y a un joueur, les gars, qui m'a surpris. Pour le coup, c'est vraiment Jonathan Klaus. Moi, personnellement, au niveau de son gabarit, je le trouve un peu frêle. Mais c'est vrai que ses interventions défensives sont très solides. Il a cette capacité aussi de relance qui est assez impressionnante techniquement. Donc, c'est vraiment un bon joueur, Jonathan Klaus, au poste de défenseur droit. Allez, Medina face à Messi Tots. Oui. Mais si Tots, il a du mal hein, pour le moment sur le compte de Liam à faire la différence. J'essaie vraiment de bien le museler. Parce que je sais que c'est un danger le Messi Tots. Mais dans la surface, il est très très dur à prendre le ballon. On sent qu'il est très agile techniquement. Ah, tu fais des gauche-droite avec lui. Son dribble, il est tellement fort. Oh oui, magnifique. Magnifique. Bien joué. Bien joué, bien joué, les gars. J'ai laissé trop d'espace de base à Messi. Après, sur le côté, il a fait la bonne passe dans l'axe. Bien joué, Liam. La casette, t'es pas hors jeu. T'es pas hors jeu. Allez, mon petit. Oh la vache. En plus, j'ai fait timing.
Allez, c'est but ça, c'est mérité. Non, ouais, normalement les gars, je suis bon joueur, normalement il aurait dû la mettre juste avant. Mérité ou pas? Normalement il aurait dû la mettre juste avant. À 84ème minute les gars, j'aurais pas beaucoup de cartouches pour essayer d'égaliser. Ça par contre, ça en est une belle. Neymar, s'il te plaît, j'attends de voir l'appel de Lacazette. J'ai bougé le goal. Tu sais quoi, j'ai hésité à bouger le goal parce que je sais, comme le premier but c'est Vincent qui a anticipé que j'allais bouger le goal, etc. Là tu vois comment j'ai bougé, j'ai continué. Mais je pense que si j'avais tiré le premier poteau, je pense, ouais. Je pense qu'elle serait contrée. Si t'avais fait un dribble pour revenir sur le pied gauche de Lacazette et tirer du pied gauche, je pense que tu l'aurais mis. De toute façon c'est souvent comme ça. Hein. Je sais pas si de ton côté t'as déjà joué contre tes frères ou tes cousins. Ou même contre tes potes. Ouais. C'est des matchs très serrés, on a généralement vraiment pas envie de perdre. Même si là je pense que. Là c'est détente un peu, mais quand même. Oui. Ah c'est l'ego les gars. On est des compétiteurs dans l'âme. Par contre celle où j'attends beaucoup là de Mbappé Tots, la vitesse qu'il a. Je vais le découper sur le côté. Il est obligé. Mais t'as vu la défense, t'as vu, je t'ai poussé dans le coin. Oh tu l'as laissé passer? Non. Et oh magnifique. là. Bien joué Vince. Bien joué Liam. C'était fun en tout cas, c'était fun, j'ai pris du plaisir. Et j'ai pu tester 2-3 joueurs. Moi vraiment les gars, le joueur qui m'a impressionné c'est Jonathan Clauss et Facundo Medina. C'est deux joueurs à vocation défensive, je sais pas si c'est un bon signe d'ailleurs. Mais c'est vraiment les deux joueurs qui m'ont vraiment impressionné sur ce match. T'en as Liam, toi qui t'ont impressionné? Moi c'est honnêtement moi j'avais déjà testé Lacazette que j'ai trouvé très très bon, que j'avais testé en draft. Mbappé c'est vraiment trop fort. Après moi il y a, bon dans mon équipe fut, dans la mienne j'ai Neymar que j'ai pas joué avec. Pour moi c'est le meilleur joueur du jeu. Ok. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Moi j'ai trouvé Mbappé Tots meilleur que Neymar. Okay. Ça par contre les gars c'est les stats du match et comme tu peux voir, victoire méritée 2-1 de la part de Liam. En tout cas nous on a apprécié tourner cette vidéo et jouer l'un contre l'autre. Si de ton côté tu as bien aimé, n'hésite pas du coup à follow la chaîne de EA FIFA France. J'allais dire ouais, like avant toi, mais techniquement c'est pas une autre chaîne, mais voilà, n'hésite pas à soutenir, à dire dans les commentaires. Si tu veux plus de vidéos, n'hésite pas, avec potentiellement d'autres concepts, voilà, ça sera avec plaisir. Merci à EA FIFA France pour l'opportunité, en espérant que ça t'a régalé. Moi c'est Liam. Moi c'est Vincent, et bon courage pour la suite, et on te souhaite plein de réussite pour les prochaines aventures sur FIFA. Ciao.